Bienvenue sur la chaîne Dian Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, vous m'avez demandé beaucoup, vous m'ont demandé le printemps de Bourges, bien sûr. Quand j'ai dit qu'il y avait beaucoup de stars qui venaient, beaucoup voulaient la présentation du printemps de Bourges. Certains me l'ont dit sur les réseaux sociaux, certains me l'ont dit en privé. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite présentation en images du printemps de Bourges. Donc, vous allez voir que ça va être peut-être assez vite fait pour vous, car le printemps de Bourges, ça dure. Donc là, ça a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jours. Ouais, ça a duré 6 jours. Donc en 6 jours, y a du monde en 6 jours. Dans 12 salles que je vais vous présenter en intégralité en vous disant le nombre de places, même si les places je ne les sais pas. Ça c'est bien, ça c'est bien. Je ne sais pas le nombre de places. Vous allez chercher le nombre de places. Attendez, bon, je n'ai pas trouvé le nombre de places exact, mais bon, je vais réussir à trouver donc le nombre de places. Il y en a quelques salles, je sais quand même. Allez, c'est parti. Donc le printemps de Bourges, c'est un printemps donc du 18 au 23 avril. Donc où cette année il y a eu plusieurs stars, dont Jane Soprano Vitalik, Fener, voilà, n'arrive pas à lire. Donc ça doit être Feder, non Feder, c'est pas ça. Donc Boulevard Désert, Deluxe, voilà Feder, là c'est Feder, Petit Biscuit qui était en dédicace hier à la Fnac de Bourges. Donc voilà, Panda Pud Up, enfin voilà, tous les trucs comme ça, Renault, enfin voilà, il y en avait plein. Voilà, ensuite donc ça c'est la salle la plus grande qui fait 2400 places, si je ne sais pas, si je ne me rappelle bien, pardon. Donc cette place là, cette salle là a fait 2400 places. Donc c'est une salle qui est qu'on enlève à la fin du printemps de Bourges. Quand le printemps de Bourges est fini, on l'enlève. Voilà, c'est simple. Donc, il y a des gradins que vous allez voir dans pas après, je pense, parce que tout n'est pas très classé, parce que j'ai classé dans truc et tout. Enfin bon, là, vous allez voir, je vais tout vous expliquer de toute façon. Donc ça, c'est 2400 places. Bien sûr, il y a plus de places debout que sur les gradins, donc vous avez plus de chances d'être debout que dans les gradins. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une des décorations qu'on peut trouver pendant le printemps de Bourges. Donc là, c'est le rond-point de la gare à Bourges. Donc nous, on dit rond-point de la gare parce que les ronds-points n'ont pas de nom en fait. Si c'est sur la rocade, ils ont des noms. Sur la rocade de Bourges, ils ont des noms. Sauf que dans la ville, ils n'ont pas de nom. Donc du coup, voilà, on appelle par un bâtiment que tout le monde sait où qu'il est. Donc, rond-point de la gare, donc voilà, avec le signe du printemps de Bourges. Donc, Bourges, ville du printemps, voilà. Donc ça, c'est une des stars qui vient. Donc ça, c'est Soprano, qui est d'ailleurs aujourd'hui à 16h. Donc, non, 16h. C'est 16h. Non, c'est dimanche 23. Mais il y a... Ouais, de 16h à 18h. Donc, première partie, c'est Kiblack. Et deuxième partie, c'est Soprano. Voilà. Voilà, donc c'est ça, c'est bien ça. Donc, Soprano qui vient aujourd'hui, donc de 16h à 18h15, au Printemps de Bourges, OW, donc la plus grande salle de Bourges, avec Kevlak. Voilà. Et donc, 34 € la place. Mais je crois que c'est qu'il y a encore des places. Mais je pense que ça va être complet. Donc ça, c'est Jane, celle qui chante Makeba, tout le monde doit la connaître. Voilà. Elle était donc, elle, elle a fait son concert quand, que je dise pas de bêtises. Elle l'a dit, elle l'a fait. Elle l'a fait le 20 avril. Donc c'était 34 € au W aussi. Ça, c'est le montage du W. Donc vous voyez bien que là, ils sont en train de le monter. Mais normalement, voilà. Donc là, on peut l'enlever après. Mais là, ils sont en train de mettre les. Ils ont intérêt de mettre certains trucs voilà pour ce montage. Donc là c'est le
Palais Jacquer qui est dans la neige, mais qui en ce moment n'est pas dans la neige, je vous rassure. Donc, le Palais Jacquer où il y a eu plusieurs concerts, donc plusieurs concerts, non pas des Inuits du Printemps de Bourges. Donc, le Palais Jacquer, c'était l'une et l'autre. L'une et l'autre encore, mais pas avec les mêmes chanteurs. Après, il y avait Majid, Cherfi, Gaël Faye, Les Garçons Manqués, Virginie Despentes et Zéro. Voilà, donc ça, c'était pour le Palais Jacquer. Ça, c'est la Halle au Blé. Donc, à la Halle au Blé, il y a eu SCH. Donc, ça, je le sais parce qu'il y en a qui ont été le voir. La Halle au Blé, oui, il y a eu SCH, il y a eu Lorenzo, Désir la peste, Aladdin 135, Shai, il y a eu Roméo Elvis, il y a eu Demi Portion, il y a eu Dean Burbigo, il y a eu DSR Crew, il y a eu Kerry James, voilà. Et après la cathédrale, il y a eu. Voilà, la cathédrale, je ne l'ai pas mise, c'est dommage. C'est à la cathédrale, il y avait Jamie et Camille Bertollet. Ouais, j'ai pas mis la cathédrale de Bourges. Mince, c'est dommage. Ça, c'est le montage de la grande scène Place Hirocourt. Donc, vous tapez sur Map si vous voulez la voir comme ça où que ça se place. Place Hirocourt, c'est une place qui a, je crois, 600 places de parking, mais qui maintenant va être réduite, je pense, vers 500 places, car on construit une nouvelle maison de la culture. Apparemment, celle qui a été en travaux n'est pas encore. Très très bien, apparemment. Vu que bon, le maire est un peu dans les vapes, je pense que c'est normal qu'il en fasse reconstruire une autre. Mais bon, ça va coûter la peau des fesses. Voilà, et après, ça se répercute sur les trucs comme ça, comme le printemps de Bourges. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ça, c'est un des dispositifs de sécurité qu'il y a eu. Donc, fouille à chaque entrée, hein, entrée surtout au W, Palais d'Oron aussi. Et là, donc. Ce qu'on retrouve dans certaines rues, donc ce qui est vraiment impressionnant, hein, parce que on n'a pas l'habitude de les voir dans la rue, des trucs comme ça, et d'un coup, donc on se retrouve voilà, avec des horaires qu'on n'est pas habitué à voir, et surtout des poteaux qui se mettent et qu'on n'est pas habitué à voir, ça fait vraiment bizarre. On se demande ce qui se passe, mais bon, on y retrouve toujours. Donc la région Centre-Val de Loire, qui est bien sûr notre partenaire dans ces. Dans ces, comment dire, dans ce festival. Voilà, donc j'espère que la présentation vous aura plu. Donc je vous ai tout dit, je pense. Je regarde si j'en ai pas oublié. W, Place Boule, Printemps de Bourges. Ça, c'est le stream, vous en avez rien à foutre. Donc voilà. Après, donc je vous ai pas montré le Palais d'Oron, mais bon, le Palais d'Oron, je n'ai pas réussi à trouver d'image. Il y avait le qu'est-ce que tu es? Le 22, je n'ai pas trouvé d'image aussi. Enfin, d'image de la salle. Il y a eu ben, la cathédrale, j'aurais pu trouver des images, sauf que je ne l'ai pas mis. Et la scène pression live, je n'ai pas trouvé d'image. Et c'est tout. Voilà. Donc ça se termine aujourd'hui, le printemps de Bourges, malheureusement. Ça va faire un grand creux avant. Il va peut-être bien y avoir bientôt la fête foraine. Peut-être bien. Bientôt. Sûrement bientôt, je ne sais pas. Et qu'est-ce que ça s'avance, c'est bientôt. Donc oui, il va sûrement y avoir bientôt ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Donc il y a eu les Inouïs, mais les Inouïs, donc je n'ai pas présenté les Inouïs du printemps de Bourges. Les Inouïs Rock Pop, Hip Hop, Chanson World, Inouïs Electro. Donc c'est les Inouïs, c'est des stars qu'on est à train donc, en France. Donc c'est que des Françaises. Des stars françaises, enfin des stars, des personnes que l'on fait découvrir au public, voilà. Donc après il y avait les ce qu'on appelle showcase. Donc dans les showcase vous retrouvez toutes les vous retrouvez donc tous les petits concerts de bar, donc ce qu'on appelle des showcase. Donc hier soir il y en a eu quelques-uns et vraiment ça met de l'ambiance à la ville. On adore ce printemps de Bourges, j'espère l'avoir encore pour longtemps. Donc Salim, je pense que quand on se verra et qu'on sera majeur, ce sera la semaine du printemps de Bourges, je t'emmènerai
La ville, elle sera plus cool. Donc voilà, enfin la vie sera plus cool. La ville sera plus ambiancée que d'habitude, car c'est un peu ennuyant quand il n'y a pas de printemps de Bourges. Ouais, c'est un peu ennuyant, mais c'est pas bien grave. Donc allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Allez, je vous laisse. Ciao. Bye bye les amis, je vous adore.